Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Angers hier après-midi 1-0. Un succès qui fait la une du quotidien local Le Progrès qui se réjouit de voir enfin cette équipe sur le podium de la Ligue 1. Grâce à Tino Kadewere, les Gones ont enchaîné un deuxième succès consécutif et sont en phase avec leur objectif du début de saison. D'ailleurs, comme le souligne le quotidien, c'est la première fois depuis août 2019 que les Lyonnais sont sur le podium. De son côté, l'équipe revient sur la large victoire de Lille hier soir contre Lorient 4-0. Les Dogs sont bien ancrés à la deuxième place du championnat, ce qui fait dire au quotidien sportif que Lille fond sur Paris, car les Lillois ne sont plus qu'à 2 points du leader. On file en Espagne où la Ligue des Champions est déjà dans les têtes à Madrid. Alors que le Real va jouer sa survie mercredi lors de son déplacement à l'Inter, Marca estime qu'il faudra se contenter de ce Real-là en attendant celui qui fait des miracles habituellement dans cette coupe aux grandes oreilles. En effet, Zidane va devoir encore composer avec pas mal de blessures. Une finale de groupe où l'entraîneur merengue cherchera la solidité défensive et le retour des buts. D'ailleurs, les buts pourraient venir d'un certain Karim Benzema qui pourrait faire son retour, lui qui est blessé depuis la dernière trêve internationale. Comme le rapporte AS, Benzema est pressé de se rendre à Milan. Le Français travaille seul en vue du match contre l'Inter. Une petite éclaircie dans la période maussade du Real. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone cette fois, où c'est la soupe à la grimace ce matin. Alors qu'hier, le club Blaugrana redoutait le pire pour Sergio Roberto et Gérard Piqué, les doutes se sont confirmés. Les deux joueurs vont être absents un long moment. Pour Mundo Deportivo, il y a urgence au sein de la maison Blaugrana. Les blessures de Piqué et Roberto sont plus graves que prévu. Le défenseur central pourrait se faire opérer et être absent toute la saison. Sergi sera absent au minimum 2 mois et le Barça doit d'urgence recomposer sa défense, déplore le journal catalan. Ronald Koeman n'a plus que Clément Lenglet de disponible à ce poste actuellement. Une situation préoccupante et qui, selon Sport, va obliger le Barça à recruter cet hiver lors du prochain mercato. Et la cible prioritaire reste le défenseur de Manchester City, Eric Garcia. Mais comme rien ne va en ce moment en Catalogne, Lionel Messi n'y est plus, comme le juge a sur sa une. Face à l'Atlético de Madrid, samedi, Messi a offert sa pire version avec 23 ballons perdus. Quand rien ne va décidément... Direction l'Angleterre où Liverpool a frappé un grand coup hier soir en surclassant Leicester 3-0. Une belle victoire alors que les Reds sont actuellement décimés par les blessures, notamment en défense. Un succès qui fait la couverture du Times ce matin qui se réjouit d'avoir vu un Liverpool bricolé écarter Leicester. Et c'est notamment le but de Jota qui est mis en avant car il permet aux champions en titre de venir mettre la pression à Tottenham en tête du classement. Pour le Guardian, Liverpool s'offre un record avec 64 matchs sans défaite à Anfield et permet à l'équipe de Jurgen Klopp de rejoindre les Spurs au classement. Malgré les galères du moment, le Daily Star estime que Liverpool trouve son bonheur à Anfield, qui est qualifié de véritable forteresse imprenable. On reste de l'autre côté de la Manche, où c'est un ancien de Ligue 1 qui fait les gros titres. En effet, hier après-midi, Leeds United et Arsenal se sont quittés sur un match nul 0-0. Mais l'affaire qui secoue les Gunners est l'expulsion de Nicolas Pepe. L'Ivoirien est l'auteur d'un coup de tête sur Alioski à la 51e minute, ce qui a entraîné son expulsion. Forcément, les tabloïds anglais n'épargnent pas l'ancien Lillois. Le Daily Star estime carrément que Pepe est une vraie plaie. Son entraîneur Mikel Arteta a lui aussi donné son sentiment après le match et il n'a pas aimé ce qu'il a vu. En considérant que Pepe a été expulsé tôt, on doit se contenter de ce résultat. Je n'aime pas les matchs nuls, mais c'est un point. L'expulsion de Pepe est inacceptable. J'ai aimé la personnalité de l'équipe jusqu'à ce que Pepe lâche l'équipe. Pour le Mirror, Arteta a été dans une colère noire, le fou Pepe laisse tomber son équipe. Le Daily Express parle carrément de fureur de la part du coach espagnol. Un incident qui pourra avoir des conséquences pour Nicolas Pepe à Arsenal. On termine ce tour de la presse en Italie, où le choc entre Naples et Milan hier soir a tenu toutes ses promesses. Et c'est l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic qui a été le grand artisan d'une victoire 3-1 des Rossoneri. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est le boom du Milan. Une épreuve de force à Naples où Ibra a fait de la magie avant de sortir sans blessure. Pour le Corriere dello Sport, la superstar Ibra s'occupe de tout. Grâce à son doublé au Napoli, le Milan consolide sa première place en Serie A. Enfin, Tutto Sport accorde sa couverture à Cristiano Ronaldo, dont l'avenir semble déjà réglé. Alors que samedi, la Juve avait déclaré que le Portugais serait toujours à Turin la saison prochaine, Jorge Mendes, son agent, en a rajouté une couche. Pour le quotidien turinois, ce sera CR 2022. Son agent garanti, il battra d'autres records et ira au bout de son contrat avec la vieille dame. Jusqu'en 2022 donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.